Salut les amis, c'est Gaël Play, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien. On se retrouve pour la suite de notre let's play sur Vampire. Alors, ils me disent toujours de trouver cette saleté de boîte avec ces saletés de lettres. Sauf que je suis censé les avoir déjà trouvées en fait. Donc, est-ce qu'il faut que je les regarde dans mon inventaire? Je sais pas. Aperçu. Donc je sais pas du tout. Trouve les citoyens. Ah oui, il faut que je trouve Richard Nierton. Je sais pas où il est, mais il faut que je le trouve. Faut que j'aille par là. Va suivre le petit Y. Te suivre le plus proche. Je suis celui à marquer le deuxième, pas le premier. Je peux plus utiliser mes pouvoirs vu que j'approche de la ville. Donc, qu'est-ce qui veut le prison? Good evening. Votre vie à Londres? Non. C'est bon, ça tient rien. Il n'y a rien du tout qui peut nous aider, lui. Elle, je crois qu'on l'a déjà connue. Ce serait par là-bas qu'il y en aurait un. Alors, on va aller voir. Là, ils me disent d'y aller, je ne sais pas du tout pourquoi. Parce que je ne peux rien faire. Je pense peut-être pour me dire que je peux aller de ce côté de la rue. Mais quand et comment, je sais pas. Alors, hop. Quoi, y en a? Trouve la boîte aux lettres. Excusez-moi. Excusez-moi les amis, j'éternue mais... Ok, la boîte aux lettres. Ça peut pas m'aider. La boîte aux lettres, ils veulent que je trouve. It's locked, all right. Attends, c'est qui là-bas? Un inconnu. C'est lui là, je crois. Je pourrais combien que c'est celui-là que j'ai besoin. Là, il n'y a pas de machin où je peux sauter par hasard ou planer. Forcément, il n'y en a pas. Fallait bien. J'ai envie de trouver la boîte aux lettres. C'est quoi ça? C'est pour se rejoindre à l'armée. Prescription de médecine gratuite. Ah, elle est là. Avec... The content of Darius' letter to his children. Darius Pictus. Or leverage to enter. Je pourrais m'en servir du contenu pour essayer d'entrer. Donc. Et Richard Nictor. Je sais pas du tout où il est. Je suis en train de me demander en vrai si ça serait pas le mec qui est dans qui était caché comment on sait pas. Vous savez là qu'on a vu dans le machin d'église. Je me suis demandé si ça serait pas lui. Attendez, parce que je veux voir juste en fait qui est vraiment Darius. Darius Petrus. Qui disait qu'on avait des lettres. Je vais voir si ça. Il avait parlé qu'on pourrait peut-être essayer d'entrer. Donc voir si c'est possible. Si ça marche pas, bah je sais pas. Please let me see Nurse Crane. I have no time for you, sir. Donc non, ça ne marche pas. Je vais aller le voir vu que c'est un indice qu'on a trouvé sur lui. Voir s'il peut nous aider, peut-être à passer. S'il peut, tant mieux. S'il peut pas, bah. Voilà. Alors. I think the you do? Yes. Bouge pas, ses amis, hein. Moins une boîte. Goodbye, Mr. P. Donc, ça, c'est bon. Par contre, du coup, maintenant, faut que je trouve. Richard Nictercott.
ça, ça va être le truc chien, les amis, parce que je sais pas du tout où il se trouve. Alors, il se trouve là-bas au fond, donc on va aller le voir. J'espère juste pas devoir me battre, parce que je suis niveau 10. Et malheureusement, en fait, j'ai pas envie de me retaper tout ça, de partir revenir jusqu'au machin et de retourner jusque dans le centre et revenir, parce qu'après, du coup, en fait, ça réinitialise tous les méchants. Et ça me casse légèrement les bonbons de devoir repartir. 8, 9. Stupid beast! Top, c'est niveau 14, mec. 15. Qu'est-ce qu'il fait l'autre avec un bâton avec une croix? Il est malade? Okay. D'accord. Là, l'endroit où je pourrais sauter, par hasard. J'ai plus de balles en plus, Paris. Crash the links, boys! Déjà j'en ai tué un. Oups, là, allez dépêche-toi. Putain, il m'a tué vite. Oh mon dieu, il m'a vite tué cet enfoiré. Oh l'enfoiré! Avec sa croix là, il... je sais pas ce qu'il fait mais... Par là-bas, je sais pas si je peux y aller. En vrai, j'ai trop envie de l'attaquer par surprise, mais j'ai trop peur. Scope plus. Ah, ensuite, ça me saoule. Stay back! Je peux pas monter là-haut, bien sûr. C'est un. Je sais pas du tout où je vais en vrai, les amis. C'est juste tout simplement m'échapper de lui. Non, s'il vous plaît, non. C'est pas le moment, les deux là. Vous savez quoi, je sais même plus où je vais. Je suis là. Ah si, faut que je continue la rue. Faut la continuer, allez, dépêche-toi. Allez, dépêche. Dépêche. Je vais mourir. Si ça continue. Qu'est-ce que je veux dire, les amis? Si vous revenez trop en arrière, ça vous réinitialise tous les méchants. Je suis où là? Merde, je me trompe à chaque fois de bouton. Ah non, je repars dans le mauvais sens. Allez, dépêche. J'ai tous les méchants que j'avais tués, les amis. Vous voyez ce que je vous dis? Ils reviennent tous. Allez, je vais le toucher. Allez, meurs. Voilà, ça c'est ceci. Oh bah pour les petites gouttes de sang qui restent, on va le sucer. Non. J'allais dire une connerie les amis et je m'en suis rendu compte au dernier moment. Donc, j'ai fait la mauvaise erreur de partir, donc ça va certainement me porter préjudice. C'est
C'est par là que je voudrais aller en fait. On va aller là. Hop. Après, j'avais oublié plein de trucs. Est-ce qu'ils peuvent peut-être m'aider, eux? How are you, boy? I'm not... Votre vie à Londres, non. Question personnelle, non. J'en ai pas. Donc c'est bien. Donc faut que je trouve Richard. Good evening. I'm afraid. Question personnelle. Ah, il a la migraine. A gun? Hop. Alors. Là, c'est comme ça. Parce que ça m'énerve en fait, je sais pas du tout où il peut être saleté de... Ce mec ça m'énerve parce que je sais pas du tout où il peut être Richard Nixon. Elle est-ce qu'elle peut peut-être m'aider, je me donnerai encore. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, rien d'intéressant. Tout du moins pour l'instant y'a rien qui m'intéresse. Par là, c'est par là que je peux l'observer. Il y a une qui est là-bas derrière en fait. Attendez, hop. Il y a une porte juste là en plus pour passer. Bon. T'as des amis, je regarde combien de temps nous reste-t-il. Parce que je peux pas non plus faire des épisodes trop longs. Ça me saoule. Parce qu'en fait, je sais où il est en fait le mec. Je crois que c'est celui qui est à l'église. Mais comment je rentre dans l'église? C'est dans l'église, faut que je vois si je peux pas faire tout le tour de l'église. Je peux pas. Là, y a rien d'intéressant. Oh, non, je peux rentrer par là. Vous rigolez, si vraiment c'est lui, je suis le plus gros boulet du monde. Si c'est lui. Là, y a rien. Je regarde qu'il peut pas créer. Ah, s'il y a une créature. Eh, hey, enfoiré! Puis ils sont niveau 12. Eh hey, merde! Pourquoi je peux plus transplaner? Avant je pouvais ou quoi? J'ai déjà tué deux. Voilà, je suce le sang quand même. Voilà, hop. Ça, voilà, tac. C'est quoi ça? Du... Quinine, la quinine j'ai trouvé. Et une échantillon de sang liquide. Cool. Restez chez vous, ça ils ordonnent de rester chez soi. Là, ça va où? Attends, je vais voir ce qui est marqué sur le panneau. Quarantaine. Veuillez ne pas pénétrer dans cette zone sur ordre de choix quoi. Donc c'est la quarantaine de ce côté. Donc attendez, hop. Voilà. Je peux pas rentrer dans les maisons, non. Parce que des fois il y a certains endroits où on peut et d'autres on ne peut pas. Ah voilà, c'est comme ça déjà qu'on fait pour pénétrer. Sans se planer, je me disais comment on fait. Hop. Qui es-tu? Good evening, sir. Please be my guest. Really? I'm a poet. Richard Hickton. J'en étais sûr, les amis, que c'est lui. Je vous l'avais dit, hein. Faites-vous ici un plein nuit. Bon, ça c'est bon. Vous n'avez pas peur de l'épidémie. Vous devrez éviter de vous exposer. Donc ça c'est fait. Nanana, c'est quoi dans ce danger? Tac-tac-tac. De toute façon, les amis, ils me disent si c'est des infos importantes, donc... Are you aware that your life could be in danger? Voilà, ça se fait. Ça se fait. Question personnelle. Voilà. Tell the... On what? Not... And... Perhaps what? Ça, c'est bon. In the safe side, oui.
C'est bon. Ah merde. Doc. On a découvert un nouvel indice sur Darius Petunius. I'll leave you alone. Darius is a bit less of a mystery now. Et on l'a trouvé. To incite him to let me in. Good evening, Mr. Ils me disent que on l'a pas trouvé, mais voilà. May I ask you? I'll leave you alone. Bon, c'est bon, on lui a parlé, je sais pas pourquoi ils me disent qu'il y est pas. Ils ont pas... C'est ce que je paye. Voilà. Y a pas de un endroit où je peux rentrer ou rien du tout, non? Voilà, on a déverrouillé la porte. Hop. Je vais aller parler à la petite sourde qui est juste là. Oh, elle fait la sourde, j'ai rien. Very well. Je pense qu'elle dit rien parce que comme elle, je pense qu'elle doit travailler pour la nurse Crane. Vous savez, la femme qu'on doit aller voir. Allez, donc on va aller voir Darius Petrus. Mais le problème, c'est que ces menaces, c'est qu'ils me disent qu'ils doivent le trouver, mais je l'ai trouvé, Richard Nittercott. Oui, moi, les noms anglais, les amis, ça fait deux. Surtout quand ils sont compliqués. You again. Question personnelle. Votre vie à Londres. Mais il m'avait bien dit que je trouve un indice. Attendez. Voilà. J'ai tous les indices. Bon, je ne comprends pas. Ils me disent de le trouver alors que je l'ai trouvé. On va retourner. On va y retourner. Il y a un problème, je pense. Ah, c'est Colton. Clayton Darby. Bon, on va retourner lui parler, les amis, parce que je ne comprends pas trop ce qu'ils me veulent. Alors qu'ils me disent de le trouver. Certes, c'est fait, mais pourquoi maintenant je fais quoi? Ça, par contre, à côté, ça, moi, j'aurais aimé que le jeu soit en français. Good evening. And good evening. May I ask you a few questions? Puis-je poser quelques questions sur le quartier? C'est parti, la ville extraordinaire, n'est-ce pas? Je saurais où vous aider. À propos de Dorothy. I'm looking for Dorothy Crane. Dorothy Crane. Oh, I love the name. La crâne de chapelle, macabre et mystérieux. What can you tell me about an old Darius Petrescu? Yes, I know him. Oui, je le connais au début. At first, I thought he was only not interested in your talent. Il n'est pas intéressant pour votre talent. I'll leave you alone. Donc faut que je regarde qui Darius Petrus, c'est bien lui pourtant. Parce que s'ils me disent de le trouver, c'est qu'il y a une raison peut-être. Votre vie à Londres. Mais hop. Did you know the mute florist? No, I didn't. D'accord. I fear you are a guilty as charged. Are you that good? Bon les amis, je sais pas du tout ce qu'ils me veulent là, ça me saoule, je vais retourner voir le vieux là-bas. Et après, bah voilà. Ouais. C'est dommage que je lis pas l'anglais les amis, en fait je lis pas les petits textes en anglais qu'ils affichent. Parce que je sais pas lire l'anglais. Je suis très très nul en anglais, les amis. Déjà, je veux retirer des points parce que j'ai des points que j'ai mis pour rien. Donc voilà, hop, ça il me reste qu'un seul. Vous pariez combien qu'il va m'amener à dire faut que j'aille là-bas au fond. Je vous parie tout ce que vous voulez qu'il faut que j'aille là-bas. J'ai juste à la porte. Qu'est-ce que je disais? Allez, dépêche-toi. Mr. Petrescu, just one minute, please. You again.
Ah merde, si j'ai au niveau de charme de niveau 2, j'aurais pu le charmer pour qu'il me laisse oublier qu'il m'en reste rentré. Ça aurait pu aller plus rapide. Mais je sais pas, niveau 2. Je fouille, hein, tant que je suis là, autant que ça sert. Hein. D'argent. Bon, maintenant qu'on l'a trouvé. If you want to talk to Dorothea, you must go. We've not. Votre vie à Londres. So, votre vie à Londres. Hop. Tell me. I'm done. Who is it? You saw it. Ça c'est fait. Tell me everything. Ça, non, I do not believe. Ça c'est fait. Question personnelle. Où reste-t-il de la famille? Don't. Ça c'est fait. Je vais vite les amis, hein, comme ça m'embête pas. Voilà, je veux juste vite fait, comme ça je fouille. Attendez, j'ai vu un truc. Une grande boîte de pilules. Ça c'est une lettre. Je voulais voir la lettre en fait que j'ai trouvée. Hop, 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 hop. Bon. Je les lirai tout après les lettres parce que là sinon ce sera locked, all right. Ça m'énerve parce que oui je sais faut que je me pose pour évoluer mais il y a pas de lit pour l'instant et je peux pas parce qu'il y a bien un lit là mais je pense pas qu'ils sont autorisés que je dorme. Alors les amis, il nous reste-t-il pas beaucoup de temps. Je peux pas les briser les tonneaux. Vous savez quoi, je vais déverrouiller le portail. Voilà, comme ça, ça me fait déjà une entrée. Je vais voir si on a une deuxième entrée. Oui, il y a celle-là, là. Je vais la déverrouiller aussi. Là. Voilà, je peux pas faire. Là, il n'y a rien à prendre. On va passer là. Je peux voir leur cœur battre. C'est horrible. Je récupère tout ce que je peux les amis. Ah elle a un lit donc elle dort ici quand elle peut. Hop. Soif, tellement soif. J'ai soif, donnez-moi à boire. Ah j'ai cru qu'il était mort. Je me disais tant mieux. Mais non, il est pas mort. Alors. Ouais bon je lis pas tout de suite les amis, hein. Je lirai plus tard. Ça c'est fait. Ça là c'est bon. On peut monter en haut. Ok. Combien de temps nous reste-t-il les amis? Il nous reste quelques minutes. Bah, t'auras ton aide juste après. What do we have here, nurse? Patient avons-nous l'infirmière, patient du nom, Razan Vaslini, plein de vertiges, de douleurs musculaires et de maux de tête. Diagnostic, comment est-il atteint de la grippe? Traitement. Thank you, nurse. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel, hand me that scalpel. What can I do, Doctor? I need C'est dégueulasse, en fait, il lui fait un trou dans la gorge pour qu'il puisse respirer. I'm going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. Il lui fait un trou dans la gorge, qu'en fait il arrive plus à respirer, c'est dégueulasse. C'est comme des fois vous voyez dans certains films, ils enfoncent un stylo bien violemment dans la gorge en fait, et après ils retirent le reste pour qu'il puisse respirer la personne. Bah c'est ça en fait. Docteur, nous n'avons rien pour combattre l'infection, nous avons besoin d'un aseptique environnement. Donc, que suggériez-vous? Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do?
I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, doctor. Ah, c'est dégueulasse, les amis. Entendre les bruits de la chair qui se découpe dans la gorge. Pourtant, j'adore les films d'horreur, mais là, ça me dégoûte. He's still bleeding, doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you alright, doctor? Oh putain. I can't see. Il a du mal à se contrôler. I must first suture the artery. Allez, on va essayer de rester courageux, les amis. The source of the blood. Needle and thread, doctor. Oh putain. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, doctor. Massage cardiaque tout de suite. Cardiac massage now. Cardiac? What? Are you making this up as you go along? Est-ce que vous inventez ça au fur et à mesure? Putain, il est mort. Il est mort. Merde. Putain. On aurait dû prendre l'adrénaline. Ça lui aurait donné un coup de fouet. Et merde. Putain. We've lost the pulse. He's gone, doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. C'est pas ça, c'est pas la grippe qu'il avait. There was something more vile in these reactions, something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns. On a signalé de nombreux cas de dépression nerveuse à cause de la fièvre qui accompagnait la grippe, docteur. I'd best take some samples of the blood for analysis. Me dis pas que c'est une nouvelle maladie ou une nouvelle genre de créature. Je vous jure, s'il me sort qu'il y a un loup-garou qui peut devenir, qui va revenir à la vie en tant que loup-garou, je pète les plombs. En vrai, j'ai trop deg, j'aurais trop aimé le sauver pour qu'elle soit. I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? Bon les amis, l'épisode durera plus. Your heart. Doctor. But she's. Bon. Is it? You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Épargner. Ah, je peux tout ça. Listen very carefully, Dorothy. You will erase from your memory everything you pretend to know about Lady Ashbury and Pembroke Hospital. Let that rich bitch off the hook over my dead body. Nurse Crane, enough. Listen as if your life depended on every word. I know you've a generous heart who gives freely to those in need, but you shall walk away from the shadier streets of your business. I will never abandon. Dorothy, the discussion has come to a close. Your clandestine activities in the resistance are over. Oh mon dieu, let it. Il est fou en fait. I'll let it. Go. Ouais, mais fallu pas oublier qui y allait non plus. All gone. J'avais pas envie de la livrer. De nouveaux citoyens peuvent être tués. Subissez toutes les conséquences de vos gestes. It's locked, all right. It's locked. Bon les amis, on va bientôt se laisser. Je veux juste voir. Où ça passe? La porte est verrouillée donc. Est-ce que maintenant elle est possible de lui parler? Pourquoi tu bouges pas? Ça me plaît pas, elle bouge pas! Ah d'accord, en fait, c'est des.
Putain, si c'est les changements qui parlaient, bah non merci. Ouais bah merde, si c'est les changements qui parlaient, j'aurais pu les éviter. Merde. Allez, on va les tuer les amis, et après c'est fini. Merde. Ça fait chier. Espérons que ça me fasse pas tout recommencer les amis sur Chepette Blanc. Bah les amis, l'épisode durera 31 minutes, je suis désolé. C'est comme ça. Je suis désolé. J'aurais dû mettre une pause avant d'arrêter, avant qu'on nous perde le mec. C'est du quartier grave, dispensaire de Dorothy Crane. Bon les amis, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour savoir quand une vidéo sort. N'oubliez pas aussi d'aller en description de vidéo où il y a le lien vers la page Facebook et la page Twitter et la chaîne Twitch. Pour la chaîne Twitch les amis, je vais tout doucement recommencer les lives. Je dis bien tout doucement. J'espère que vous voilà, tout doucement, je vais recommencer les lives, c'est tout. Et moi, ça veut dire que je vous aime et ciao dans le prochain épisode.